Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être aux côtés de Pierre Ménès pour vous faire vivre. Partager avec lui. Oui, je sais bien, Pour vous faire vivre donc cette rencontre de la deuxième journée de l'UEFA Champions League. Ouais, salut à tous. Et à l'occasion de cette rencontre, eh bien, nous allons suivre le Borussia Dortmund face à l'AS Monaco. Et ce match qui est bien sûr très attendu, Pierre. Entre deux très bonnes équipes et des joueurs de talent de part et d'autre, techniquement c'est vraiment pas mal. On espère que le spectacle sera au rendez-vous. Deuxième journée dans cette UEFA Champions League. Elle a l'air encore très relevée cette saison. Ouais, mais enfin, globalement, elle est relevée tous les ans, Hervé. C'est clairement la compétition qu'il ne faut pas louper. Je vous laisse découvrir la composition de cette équipe du Borussia Dortmund. L'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4-5-1 aujourd'hui. Avec une défense à 4, un milieu assez dense à 5 et un seul attaquant de pointe. Le réalisateur qui vous présente la composition du 11 de départ de l'AS Monaco. Le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui. Un 4-5-1 semble-t-il. L'idée est surtout d'empêcher l'adversaire de passer le milieu de terrain. L'arbitre qui vient donner le coup d'envoi de ce match. Deuxième dans ce groupe pour les deux équipes. Maximilian Philippe. Yuri Tillmans. Yuri Sidibé. Marcos Lopez. Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Götze. Oh, l'excellente parade du gardien. Attention à ce corner, il y a du monde dans la surface. Cette occasion de but qui finit dans les bras du gardien. Oui, c'est bien d'avoir tenté, mais de cette distance, faut pas rêver non plus. Ouais, bien tiré, le corner de Reus. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Rafael Guerreiro. Elle frappe contrée par le défenseur. Un ballon qui revient dans les pieds des Monégasques. Bonne intervention là, de Mario Götze qui récupère. Lucas Piszczek. Il ne prend pas le couloir finalement. Ils attendent une ouverture dans la défense. La frappe. Ouais, l'arrêt du gardien. Bonne prise de balle, pas de souci. Nasser Chadli. Le Borussia Dortmund qui est un club qui compte et qui compte de plus en plus en Allemagne. Ouais, disons que c'est quand même le seul club allemand qui soit à peu près capable de résister au Bayern. On va suivre bien sûr Marco Reus, attaquant essentiel de cette équipe. Il va très vite, il peut jouer au milieu, il sait jouer derrière l'attaquant. Il marque. Voilà, coup de sifflet de l'arbitre pour cette faute. Le coup franc n'est pas tiré, du 2-2. Non, ça ne passe pas, c'est contré par le défenseur. Le coup de sifflet de l'arbitre, il y avait hors-jeu. Götze.
Mario Götze qui laissera sa trace, hein, quoi qu'il arrive maintenant dans les livres d'histoire, puisque c'est lui qui a marqué le but de la victoire allemande lors de la finale de la Coupe du Monde 2014 face à l'Argentine. On ne peut pas dire que sa carrière au Bayern avec Pep Guardiola soit extrêmement bien passée, mais je pense que c'est un joueur qui va rebondir très bien ailleurs. De toute façon, il peut faire ce qu'il veut. Ce qui restera à la fin, oui, c'est ce but en finale de la Coupe du Monde. Ça, personne ne lui enlèvera. Falcao. Alexander Golovin. Bonne anticipation sur cette passe. Sancho. Götze. Oh, le but. Oh, sur le poteau et ça rentre. Un ballon bien travaillé et que le gardien ne parvient pas à stopper. Le buteur qui reçoit l'aide du poteau, on le voit sur son ralenti. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Le Borussia Dortmund qui est devant au score. Alexander Golovin. Benjamin Henrich. Marco Reus. Ballon bien intercepté par Kamil Glick. Le Borussia Dortmund, qui est un petit peu dans l'ombre du Bayern, s'en sort quand même très bien sur la scène européenne. Oui, maintenant on les retrouve assez souvent en Ligue des Champions. Thomas Delaney. Il a préféré dégager ce ballon. Ah, il est bien sorti là pour intercepter ce ballon. Il n'a pas beaucoup d'espace, hein. Alexander Golovin. Radamel Falcao. Ah, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Maximilian Philippe. Ah oui, la bonne passe. C'est un bon ballon, ça pour Mario Götze. Oh, il était tout seul face au gardien. Oh, l'occasion! Ah, il a manqué de lucidité, de relâchement. Pas la peine de chercher plus loin. Alexander Golovin. Il était bien placé pour intercepter cette passe. Attention à la frappe. Elle s'est déchirée sur ce tir. Alexander Golovin, Radamel Falcao, Yuri Tillmans, Marcos Lopez, Djuril Sidibé, Alexander Golovin. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Yuri Tillmans avec un tir. Ah, c'est complètement dévissé. Sancho. Il y a de l'espace là pour le Borussia Dortmund. Reus. Ah, la bonne qualité de ses passes. Thomas Delaney.
à Serge Adli. Attention, ça peut être dangereux. Retrait dans l'axe est dangereux. Oh, le but! Le but de l'égalisation pour cette équipe! Elle a su réagir. C'était pas évident de courir après le score comme ça, mais elle a su revenir à la hauteur de l'adversaire. C'est un match extrêmement serré, cette égalisation nous le prouve. Et voilà donc à égalité, un but partout. L'arbitre a décompté 3 minutes de temps additionnel. Le gardien adverse s'empare tranquillement du ballon. La Serge Adli. Voilà la fin des 45 premières minutes. Le score qui est de 1 partout. Pierre, dites-nous ce que vous avez pensé de la première période de Mario Götze. Alors, il a trouvé le chemin des filets. Et même si au tableau d'affichage rien n'est fait, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit encore très actif en seconde période. L'arbitre qui vient donner le coup d'envoi de ce match. Deuxième dans ce groupe pour les deux équipes. Non, on a compris. Götze. Oh, l'excellente parade du gardien. Götze. Oh oui, le but. Oh, sur le poteau et ça rentre. Maximilian Philippe. Ah oui, la bonne passe. C'est un bon ballon, ça, pour Mario Götze. Oh, il était tout seul face au gardien. Oh, l'occasion. Ah, il a manqué de lucidité, de relâchement. Pas la peine de chercher plus loin. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Attention à la frappe. Ah, c'est déchiré hein, sur ce tir. Yorick Hillmans. Avec un tir. Ah, c'est complètement dévissé. Attention, ça peut être dangereux. Retrait dans l'axe est dangereux. Oh, le but! Le but de l'égalisation pour cette équipe! Elle a su réagir. C'était pas évident de courir après le score comme ça, mais... La seconde période qui commence à l'instant. Et on va voir si les enseignements de la première période se confirment. Dans ce deuxième match de groupe. Ouais, c'est un ballon intercepté là par Djibril Sidibé. Marco Lopez. Oh, que c'est bien donné ça. C'était une vraie chance pour eux de prendre les devants. Ah, il a bien senti le coup, c'est intercepté. Rafael Guerrero. Ah, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Oh oui, encore une bonne passe. Alexander Golovin. Ouais, voilà, ça va être un coup franc. Ah, je croyais qu'il allait lui mettre un jaune. Bon, ben là, il a préféré rester en mode avertissement verbal avec l'air de dire « Bon, ça va pour cette fois, mais attention maintenant, je vous ai à l'œil. »
Et même s'il n'est pas super bien placé, ce coup franc, faut qu'il arrive à mettre ce ballon dans la surface. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Marco Lopez, Golovin. Ah, c'est quand même dommage hein, de ne pas cadrer. Il faudrait faire mieux pour marquer. Yuri Tillmans. Ah oui, c'est bien fait ça. Non, le but qui sera refusé, une position de hors-jeu. Et on voit à l'écran l'arbitre assistant qui a levé son drapeau. On peut aussi voir toute la colère du buteur. Thomas Delaney. Il y a de l'espace là pour le Borussia Dortmund. Ah, ils étaient sous pression, ils dégagent. Marc Reus. Il prend sa chance. Le ballon qui sort en corner pour Dortmund. Marc Reus de l'année. Et but des joueurs de Dortmund. Ce but de Dortmund qu'on va apprécier à nouveau au ralenti. Il n'y a rien à acheter sur ce but. Le corner, le démarquage, le timing. Le club princier mené pour le moment. Yuri Tillmans. Falcao. On va voir comment il va jouer ce ballon. En tout cas, il est dans tous les bons coups depuis un moment. Alors, le ballon est perdu. Oh, il n'y a personne pour l'arrêter. Et le but! Le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. Ah, ça fait deux buts consécutifs, hein. La défense qui est en train d'exploser. Attendez qu'on revoit ce but d'un autre point de vue. Et le score qui est maintenant de 3 buts à 1. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Yuri Tillmans. Alexander Golovin. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente. On voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer ce changement. Attention, il a du champ devant lui. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Ouais, la bonne défense des joueurs de Dortmund qui ont récupéré la balle. Nasser Chadli. Ouais, la passe en profondeur, attention. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Et ça sort, corner à suivre. Ah, il tente un coup. Peut-être a-t-il enfin trouvé la solution tactique hein, face à cet adversaire. Ah, et bien tiré, le corner de Reus. Ah, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Christian Pulisic, Marco Reus. Marco Reus, c'est quand même un joueur qui perturbe
les défenses adverses. Hein. Ouais, il n'est pas facile à marquer parce qu'il décroche énormément entre les lignes. Puis c'est un bon dribbleur. Hein. Ouais, il est assez intenable, en effet. Marco Reus, Rafael Guerreiro. Ah, on sent que s'ils peuvent marquer un but de plus dans ce match, ils vont pas s'en priver. Une belle occasion de but, mais qui n'est pas cadrée. Pas assez de précision dans son geste. Mauvais timing au moment du saut. C'est pour le gardien, ce ballon. Allez sortir, bien joué. Marco Reus, ouais, la bonne ouverture là de Marco Reus. Et on a dégagé. On va écarter le danger. Lucas Piszczek. Ouais, de l'autre côté. Ouais, il élimine son vis-à-vis. Ah oui, le bon ballon là. Un superbe geste défensif. Yuri Tillmans. Alexander Golovin. Marco Reus. Falcao. Ils reprennent possession du ballon. Christian Pulisic. Ouais, la frappe. Ils avaient l'occasion d'accroître leur avance. Ils l'ont manqué. Ah, il a réfléchi, il a hésité, l'arbitre. Et bon, bah, au final, il s'est décidé. Ouais, carton jaune. Et on arrive dans les 8 dernières minutes du temps réglementaire. Alors qu'un changement a été demandé, a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Ah, la bonne inspiration sur cette passe. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Il est bien placé, il peut centrer. Reus. Oh, le but de Marco Reus. On voit sur le ralenti que le gardien touche le ballon, hein, Pierre. Finalement, il n'était pas loin de l'arrêter, mais c'est rentré. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Plus de suspense à l'approche de la fin du match. Hein, la décision est faite. Jefferson. Marcos Lopez. Jérôme Sidibé. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? L'entraîneur qui procède actuellement à deux changements. Christian Pulisic. 4 minutes, ce sera le temps additionnel. Ouais, la bonne ouverture là de Marco Reus. Et la voilà la frappe. Et il échoue sur le gardien. Une belle situation de contre. Alexander Golovin. C'est une interception. Le tir. Il repousse le tir. La fin du match à l'instant. Et ce bon résultat pour cette équipe qui s'impose.
dans cette phase de groupe. On se souvient que les joueurs étaient restés sur une défaite lors de la première journée. Il fallait vite marquer des points. Ils en prennent 3 aujourd'hui. Ils se relancent dans ce groupe. Revenons ensemble sur la prestation de Marco Reus. Un match intéressant avec un but, bien sûr, mais je pense que sa joie vient plutôt du fait que son équipe a gagné aujourd'hui. Götze. Oh oui, le but. Oh, sur le poteau et ça rentre. Attention, ça peut être dangereux. Retrait dans l'axe, c'est dangereux. Oh, le but. Le but de l'égalisation pour cette équipe. Elle a su réagir. C'était pas évident de courir après le score comme ça, mais... Marco Reus de l'année. Un but des joueurs de Dortmund. Oh, il n'y a personne pour l'arrêter. Et le but. Le but qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop. Il est bien placé, il peut centrer. Reus. Oh, le but de Marco Reus.